Bonjour tout le monde, je m'appelle Sarsna Ayari, je suis la gérante et la cofondatrice de AI Diagnosisphere. D'après mon expérience en tant que médecin dentiste dans de nombreux hôpitaux, j'ai remarqué l'énorme manque d'équipements de radiologie spécialisée et que c'est aggravé avec la corona, ce qui rend difficile pour les médecins de fournir aux patients des soins optimaux et ce qui conduirait à un diagnostic faux et retardé. Le gaspillage de demande des examens complémentaires non ciblés qui ont des frais très hauts et non remboursables, qui atteignent une croissance de plus de 8% à la dépense courante de la santé et prennent beaucoup de temps. C'est pourquoi nous avons créé AI Diagnosis Vision, une plateforme web basée sur l'intelligence artificielle qui fournit aux médecins dentistes, aux hôpitaux publics et aux cabinets privés des analyses instantanées et complètes de l'image radiologique à partir de n'importe quel appareil et n'importe où. Création d'un rapport de conclusion détaillé, automatiquement à 92% de précision, suggère des diagnostics et recommande une prise en charge plus poussée du patient grâce à l'intelligence artificielle inversée. Nous sommes une société B2B opérant sur le marché de la dentisterie qui a une valeur de 20 milliards d'euros à l'échelle internationale. Nous générons des revenus en proposant aux dentistes des plans d'abonnement trimestriels ou annuels. Après avoir fait notre premier levée de fonds de 60 000 euros auprès de Anavasit Fund, nous avons lancé notre première version de prototype en février et après avoir corrigé et finalisé le produit, nous avons eu nos premiers clients en avril. Et depuis, nous avons plus de 200 médecins dentistes qui ont terminé l'essai gratuit, 130 dentistes qui ont fait des abonnements et plus de 3 000 images radiologiques analysées à travers notre plateforme. Et pour cela, nous avons généré 30 000 euros de revenus et d'ici la fin de l'année, on compte avoir 60 000 euros. Alors, l'année prochaine, nous nous concentrerons sur le développement de l'intelligence artificielle qui permet d'analyser les images radiologiques en 3D. Nous visons 300 clients et espérons nous étendre aux régions du Maroc. Et pour cela, générer 200 000 euros de revenus. D'ici 2023, nous souhaitons améliorer le taux de précision de notre modèle et lancer notre plateforme dans les régions de l'Afrique de l'Ouest. Et pour cela, générer 500 000 euros de revenus. D'ici 2024, notre objectif principal sera de déployer notre plateforme dans les régions du MENA et de générer un revenu total de 2 millions d'euros. L'équipe derrière le rêve est actuellement composée de trois cofondateurs, deux médecins dentistes et un doctorant en intelligence artificielle. Et nous sommes supervisés par nos deux conseillers, qui est le chef service de département de radiologie et un professeur en chirurgie orale. Alors, dans 5 ans, nous voulons démocratiser l'accès aux services de soins dentaires et grâce à notre technologie qui était présente dans toutes les régions du Maghreb et les pays européens. Merci.